Les banques espagnoles auront besoin de moins de 40 milliards d'euros pour leur recapitalisation. C'est ce qu'affirme lundi le ministre espagnol de l'économie. L'Espagne avait approuvé une ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 100 milliards d'euros pour ses banques de la part du FESF, le Fonds européen de stabilité financière. Si les banques espagnoles ont moins besoin d'être recapitalisées, leurs créances douteuses, en revanche, ont augmenté dans leur portefeuille de crédit en septembre à 10,7% contre 10,5% un mois plus tôt. La Bad Bank espagnole, la structure de défaisance à capitaux publics et privés qui doit accueillir ces créances douteuses, sera dotée d'un capital de 90 milliards d'euros. Elle devrait voir le jour le 1er décembre.